Salut tout le monde. Bon, il y a à peu près 10 jours, je vous avais proposé une vidéo qui devait justement résumer en fait la finale que j'ai pu vivre de l'intérieur, qui opposait donc les U14 du Red Star à ceux du Partizan. Pour ceux qui ne le savaient pas encore, le Partizan se trouve aussi à Belgrade et il s'agit tout simplement du frère ennemi, si on peut dire, du Red Star. Dans cette vidéo, c'est simple, j'essaie de vous montrer à peu près les qualités un peu que les joueurs de ces deux équipes peuvent avoir. Ça amène forcément aussi, vous inquiétez pas, des phases collectives intéressantes. Donc je vous laisse regarder et on se retrouve juste après.
Et voilà, tant mieux, ça s'est plutôt bien fini pour nous, le Red Star, puisque bon, derrière, il y a une victoire. Ce qui est dingue, c'est que dans tout le match, on a quasiment été tout le temps mené, en fait. Ils étaient à 10 points, on arrivait à revenir et à repasser quasiment à égalité, et ils recréaient un écart derrière de 10 points. On revient, et ça, on a dû le faire deux ou trois fois dans le match. Donc c'est vrai qu'à la fin du match, quand on voit qu'on revient et qu'on n'est pas loin de passer devant, on se dit « Waouh, faut pas que ça reparte comme ça l'a fait tout au long du match. » Et au final, bon, ben, nos petits jeunes ont eu plein de ressources et ils ont su tuer le match au moment où il le fallait. Donc de ce qu'on peut retenir sur ce genre de match, c'est qu'effectivement, le derby, c'est plus qu'un derby. Mais malgré tout, avec beaucoup de respect, on sent sincère au début du match, le moment où les coachs se serrent la main, où les joueurs se serrent la main, c'est pas que pour faire bien, c'est qu'ils savent qu'ils vont disputer quelque chose d'important. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire, c'est très important pour moi. Donc pour ça, c'est comme d'habitude, soutenez-moi via un petit pouce, via un partage. Je vous indique toujours mes réseaux sociaux ici. Cette semaine, vous allez avoir une nouvelle vidéo qui aura pour thème une opportunité pour venir suivre votre formation ici même à Belgrade. Je vous en dis pas plus. Merci encore et on se revoit très rapidement. Ciao !